ce succès des Mauves à travers le regard des deux coachs, Ariel Jacobs et Thierry Siquet, deux coachs qui se connaissent, qui s'apprécient et qui ont en plus un petit passé en commun. Pierre Depré. Après 90 minutes de suspense et de tension, soulagement d'un côté, frustration de l'autre. 10 minutes plus tard, bref échange entre les deux hommes. C'est un garçon qui m'a dit. Vraiment? Ouais. Pourquoi? Bah, sûrement parce que je l'ai embêté, peut-être un petit peu. Enfin, c'était en boutarde, hein. En boutarde, hein. Méchant. Non, parce qu'il s'est fait tromper. Pas question de querelle, bien sûr, entre gens bien éduqués, entre un entraîneur et son ancien capitaine, encore moins. Souvenez-vous, 3 saisons chez les Loups, du bon boulot ensemble, avec en prime la Coupe de Belgique en 2003. Jamais eu de problème entre nous, au contraire, je crois que sans trop se parler, on s'appréciait et on se comprenait. Donc je crois que c'est beaucoup de respect. Il n'y a qu'un an et demi que Siquet a rangé les crampons. Comme entraîneur par contre, 24 matchs en D1 seulement, c'est peu, comparé aux 145 de son adversaire. Car c'en est un, et il veut le battre, il peut le battre. En début de rencontre, Anderlecht bafouille son football. La faute à qui? Aux Zèbres. Apparemment, en tout cas. On est presque pris à froid, on est déjà heureux de ne pas encaisser de but. Et on se rend compte que Charleroi est bien organisé et qu'il y a peu d'espace et qu'on peut difficilement créer son jeu. Mais il y a autre chose et bien sûr, Jacobs l'a vu. À la pause, il sort Châtel, pourtant bien dans le match, au profit de Biglia. Coaching payant, le début de seconde période est à sens unique. L'entraîneur Carolo tente de colmater les brèches. Il a pigé tout de suite. Je comprends qu'ils ont fait monter Polak un peu plus haut, mais sûrement pour mettre un petit peu plus de puissance, je vais dire, dans l'entrejeu, du moins dans l'entrejeu offensif de leur part. Occasion mauve, mais toujours pas de but. Reste l'engagement de part et d'autre, parfois excessif. Après 20 minutes, deuxième jaune et exclusion pour De Failly. À la 35e, dans ce mano à mano, une tête, celle de Van Damme. Et puis des mains, celles qui se serrent. Des mains qui expliquent, d'autres qui menacent, puis qui sanctionnent les vilains garçons. Sauf celui-ci, qui retient pourtant la culotte de son adversaire, et dans le rectangle en plus. Dans celui d'en face, Vilcek surgit, 2-0. Un vainqueur invaincu, mais le championnat est long. Et c'est beaucoup de grand-mère, Thierry. Aussi, il y a beaucoup de